Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle astuce de nos 90 astuces. Ces 90 astuces consistent à vous montrer plein de choses, plein de trucs, plein de nouveautés et plein d'astuces, bien sûr. Donc, cette astuce consiste à désactiver des fonctions inutiles. Les fonctions inutiles, ben, ça sert strictement à rien et ça bouffe en performance de votre PC. Ces fonctions inutiles. Sont par exemple tablette, PC, une fonction très connue, des ordinateurs portables, peut-être des ordinateurs fixes, mais pas sûr. Moi j'ai un ordinateur portable donc je sais que voilà. Cette tablette PC ça permet d'activer, ou si vous voulez activer si votre PC peut se décrocher du clavier, par exemple les tout nouveaux ordinateurs, il n'y a pas très longtemps, ils en ont sorti et vous pouvez décrocher, raccrocher et tout, et ça sert comme tablette PC, avec comme si c'était un iPod ou je sais pas quoi, vous pouvez tout cliquer tout avec un touch stylet, ça permet d'avoir un écran tactile. Donc, cette fonction-là, si vous n'êtes pas tactile, si votre ordinateur n'est pas tactile, ça sert à rien de l'activer et ça bouffe en performance. Ça sera un peu con de bouffer de la performance alors que l'ordinateur n'est même pas tactile. Et les fonctions sont activées automatiquement et ces fonctions-là, il faut les désactiver parce qu'elles ne servent strictement à rien. Bah, ces fonctions-là, on peut les désactiver facilement en allant dans Menu, Démarrer. Après, vous allez dans Panneau de configuration. Si ça bug un petit peu, j'en suis désolé parce que je suis en train de faire un petit rendu. Après, vous allez dans Programme, activer, désactiver des fonctions Windows, des fonctionnalités Windows. Puis il y aura une petite fenêtre qui va vous ouvrir. Moi, ça bug un petit peu, je suis désolé. Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Donc là, ça demande un veuillez patienter parce que ça analyse toutes les fonctionnalités Windows. Bien sûr, il n'y en a pas 10 000, mais il y en a une petite fonctionnalité quand même. Une petite groupe de fonctionnalités. Par exemple, les jeux, tablettes tactiles, trucs d'internet, trucs de programme, trucs de logiciel, et patati, tout, tout, tout. Mais ça, regroupé sous la forme d'un petit truc. Bon, moi ça veuillez pas sauter, je suis désolé, ça bug. Pendant ce temps-là, je suis désolé, mais je fais ces vidéos-là, je regarde ma petite montre et il est déjà 10 h 15 et je fais ces vidéos-là à 10 h 15 sous mon lit, bien allongé et tout. Je vous l'assure, je suis au revers. En plus, là on est le 13 juillet et demain on est le 14 et moi je vais faire un grand barbecue avec un petit. Feu d'artifice le soir vers 23 h minuit. Donc en fait, mon petit dimanche va se passer bien avec 28 degrés l'après-midi. Et oui, 28. Donc voilà, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Allez, presse-toi. Ça analyse, sinon je vous passe un petit message, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit pouce vert si ces astuces-là vous plaît, partagez-la, et surtout, un petit j'aime, un petit abonné, plus un, ça m'aiderait bien, à m'encourager surtout, et tout, donc voilà, on se retrouve, je fais passer un petit message. Tout ce que vous voyez déconnecté sur mon truc, certaines choses, vous pouvez les enlever parce qu'elles serviront à rien pour vous. Voilà. Je descendrai, mais vous suffirait de mettre sur pause. Donc voilà. Par exemple, là, j'ai service EPS. Ça permet de lire, de copier et tout. Donc ça, c'est pour les documents EPS. Pour ceux qui n'ont pas de photocopieuse, ne désactivez pas. Ceux qui ont une photocopieuse wifi ou autre, hein, n'achetez pas, qu'importe, ça fonctionne surtout les photocopieuses, ça vous pouvez les enlever. Donc
ça on s'en fout. Ça on s'en fout aussi. Déchirure, ça vous désactivez pas. Après. Je recherche un peu. Après les jeux, bon ça c'est les jeux, les petits jeux, ils sont intégrés, Flessed, Junior, et tout. Ça si vous les utilisez jamais, vous jouez jamais, décochez, bah, ça enlèvera quelques petits trucs en moins. Après Internet Explorer 10, ça dépend, si vous utilisez Firefox ou Google Chrome et pas Internet Plus, décochez-le, ça sert strictement à rien. Composante tablette PC, ça c'est pour accéder tablette PC. Ce que j'avais dit du tactile, si vous n'êtes pas tactile et que vous n'avez pas de tablette PC, enlevez-le, ça sert strictement à rien. Après, là, il y a d'autres choses et tout. Faites une petite pause pendant la vidéo et regardez un peu ce que j'ai décoché, ce que j'ai coché et tout. Donc voilà, en fait, désactiver ou activer des fonctionnalités Windows, suffit à faire que ça. J'espère vous avoir aidé. On se dit à très 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 bientôt pour une nouvelle astuce. Allez, ciao ciao!